Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'un candidat au municipal en France. Mon invité du jour est candidat dans le 20e arrondissement de Paris. Il est également porte-parole de Cédric Villani qui est lui-même candidat à la mairie de Paris. C'est Ryan Nézard. Bonjour. Bonjour. Merci enchanté. D'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, c'est avec plaisir. Vous êtes donc le porte-parole de Cédric Villani qui se présente à la candidature pour la mairie de Paris. Vous n'appartenez à aucun parti. Est-ce que c'est ça qui vous différencie des autres candidats ? Mais écoutez, aujourd'hui, moi, en effet, je suis candidat. Là, vous êtes sur le marché d'Avoue, dans le 20e arrondissement de Paris. Je suis candidat dans cet arrondissement, arrondissement où j'ai grandi, quelques pas d'ici, à côté du périph'. Alors, non, j'ai grandi Porte de Montreuil, justement, juste à côté, et j'habite aujourd'hui à Belleville. Et en effet, on est candidat sans étiquette. Je crois que c'est notre force, parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment une vraie défiance vis-à-vis de la politique en général, des partis politiques. Et ce qu'on a voulu faire dans cette élection, c'était de représenter les habitants, tous les quartiers. Sur ma liste, il y a 42 candidates et candidats qui sont issus de tous les quartiers du 20e. Ils habitent tous l'arrondissement, ils connaissent tous l'arrondissement, et ça aussi, c'est une différence. Il y a sur d'autres listes, je ne nommerai pas pour ne pas être désagréable, des candidats, parfois même des têtes de liste qui n'habitent pas dans leur arrondissement. Je crois que ce n'est pas sérieux si on veut justement renouer la confiance. Ils viennent de tous les bords, justement, tous les bords politiques ? Oui, et puis surtout, ils ne viennent pas de la politique. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dont c'est le premier engagement. Je vous donne un exemple. J'ai sur ma liste 4 candidats qui s'appellent Caroline, Fergus, François-Henri et Virginie, qui ont été tirés au sort. Donc c'est des habitants du 20e qui ont été volontaires à un moment donné pour intégrer nos listes. Dans chaque arrondissement, on l'a fait avec 10% des candidats. Et ça permet de renouveler, de redonner du souffle à la démocratie. Et on le fera au niveau parisien avec une agora qui sera composée de 163 citoyens tirés au sort et qui sera en parallèle du Conseil de Paris, des élus. Et cette agora pourra interpeller le Conseil de Paris, mettre des points à l'ordre du jour ou instruire des projets de référendum d'initiative locale. C'est ça aussi, renouveler la démocratie au niveau local de manière très concrète. Donc alors, avant de parler de votre programme pour le 20e, dans un dernier sondage, Cédric Villani est crédité de 8% en baisse par rapport au sondage précédent. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Il y a des sondages, c'est toujours intéressant de les regarder, mais qui peuvent se contredire. Dans certains sondages, vous êtes telle position, dans d'autres, à une position différente. Il faut être d'abord très serein. Dans une campagne, ce qui compte, ce n'est pas les sondages, c'est l'élection évidemment. Le 15 mars, c'est maintenant dans 9 jours. Donc pour ce qui nous concerne, on a 9 jours. Dans le 20e, j'ai fait campagne aussi dans beaucoup de quartiers abstentionnistes. À Saint-Blaise, par exemple, au niveau des portes, près du périph', à Belleville, aux Amandiers. C'est des quartiers où généralement les politiques ne vont plus. Parce qu'on se dit, ah, c'est des quartiers populaires, les gens votent pas, c'est des jeunes, c'est des personnes qui ne sont pas intéressées par la politique. Mais si nous, on ne s'intéresse pas à eux, c'est normal qu'eux, en retour, ne s'intéressent pas à la politique. Donc mon objectif, c'est que dans le 20e, et bien sûr, mes camarades dans les autres arrondissements ont le même objectif chez eux, c'est que les personnes qui ne sont plus entendues par la politique se mobilisent, aillent voter et fassent la différence. Il y a aujourd'hui, et j'en termine par là, un Parisien sur 3, voire sur 2, qui n'a pas fait son choix, qui est indécis. Et il y en a beaucoup, peut-être la moitié, qui s'apprêtent à s'abstenir. C'est ces Parisiens-là aussi qu'on veut aller toucher, qu'on veut aller sensibiliser pour leur dire « Utilisez ce bulletin de vote, Villani, pour vous saisir ». Pour ressaisir de ce pouvoir. Donc Cédric Villani a encore toutes ses chances pour vous ? Bah, évidemment. Et puis de toute façon, aujourd'hui, personne ne gagne seul. Si on regarde dans le détail les sondages, on voit bien que de toute façon, les uns et les autres ont besoin d'avoir des alliances, ont besoin d'avoir des coalitions. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que Villani, et il l'a montré au débat, c'est celui qui a le projet le plus complet, le plus solide. Au débat, vous avez eu Dati, Buzyn, Hidalgo, tout le monde a dit « Ah, Villani, c'est les meilleures idées ». Je suis d'accord avec ce qu'a dit Cédric Villani. Justement. Mais oui. C'est-à-dire donc, que c'est un rassemblement de toutes ces idées, Cédric Villani ? Chers amis, puisque le projet de Cédric Villani est le meilleur, votez pour nous dès le premier tour et au second tour, ralliez-nous, tout simplement. Alors vous avez devancé mes questions, le débat, on va en parler tout de suite. Il a paru très calme. Alors c'est son tempérament d'habitude, mais c'est ça en vrai qui fait aussi sa force ? C'est ce dont on a besoin. Maire de Paris, c'est gérer des situations extrêmement complexes, parfois dramatiques, parfois très difficiles. C'est avoir le contact quotidien avec les habitants, les commerçants, les associations de quartier. Pour ça, il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et aussi beaucoup de détermination. Villani, c'est quelqu'un qui, dans toute sa carrière, a eu l'habitude, quand il était chercheur, quand il était enseignant, ensuite quand il a dirigé pendant 8 ans l'Institut Poincaré, l'Institut de mathématiques à Paris, c'est quelqu'un qui a toujours été rigoureux, droit, intègre, qui prenait des engagements et qui s'y tenait. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui justement de politiques comme ça, si on veut briser ce que j'évoquais tout à l'heure, cette défiance immense
qui s'est créé en politique et qui aujourd'hui fabrique soit l'abstention, soit l'extrémisme. Donc oui, on a besoin de Villani en politique et on en a besoin probablement aujourd'hui à la mairie de Paris. Donc on est dans le 20e arrondissement, il y a beaucoup de jeunes. Vous parliez de l'abstention chez les jeunes, elle est énorme cette abstention. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes pour qu'ils aillent voter le 15 mars prochain? Mais vous savez, aux élections européennes, il y a eu des bureaux de vote où 75% des jeunes sont abstenus. Et il y a même eu des bureaux de vote où globalement 2/3 des gens n'ont pas voté. Qu'est-ce que ça a produit? Front National est arrivé en tête dans plein de bureaux de vote. Le bureau de vote de mon enfance, là où j'ai grandi, à côté de l'école où j'ai été, Front National en tête, 20%. C'est un échec pour tous ces politiques qui, depuis des années et des années, ont occupé des fonctions, des responsabilités et n'ont rien fait pour les quartiers. Mais c'est la classe politique en général qui n'intéresse pas les jeunes? Mais c'est ça le problème. Moi, de quoi je leur parle? D'éducation, bien sûr. Quand je dis qu'on va rénover toutes les cantines scolaires, qu'on va mettre des circuits courts, des produits locaux, des produits de saison, des produits de qualité, enfin, qu'on va arrêter avec ce système où, en fait, on produit dans une cuisine centrale dans le 20e tous les aliments, tous les repas, et qu'ensuite, on les transfère froids pour qu'ils soient réchauffés dans des établissements 2 jours ou 3 jours après. Ça donne des produits, des repas qui ne sont pas de qualité. Donc ça, ce système, je veux le changer. Quand je dis qu'on va créer 6 000 places en crèche et en maison d'assistants maternels, qu'on va garantir l'accueil des 2 ans pour un accueil collectif pour les enfants, quand je dis qu'on va réinvestir sur les activités périscolaires, l'anglais, la musique, les sciences, justement pour donner le goût aux enfants dès la maternelle et le primaire, tout ça c'est pour l'éducation, tout ça c'est pour la jeunesse. Mais il y a un autre aspect. Ma génération aujourd'hui, elle défile dans les rues, elle défie les gouvernements parce qu'elle estime qu'on n'en fait pas assez pour protéger le climat. Aujourd'hui, vous regardez les rapports, rapport du GIEC par exemple, tous les grands scientifiques vous le disent. On a peut-être 10 années pour inverser le cours du changement climatique. Alors bien sûr, on va se dire, mais nous on est citoyens, habitants d'un quartier, qu'est-ce qu'on peut faire contre le changement climatique? Mais il y a des choses très concrètes, il y a des habitudes qu'on peut changer, et le rôle d'une municipalité, c'est justement d'aider les habitants. Un grand plan de rénovation thermique, il y a 1/3 des logements dans le 20e qui datent d'avant 45, d'avoir des mobilités décarbonées, aider à la transition pour sortir de la voiture individuelle, aller vers le métro, avoir 3 lignes de métro automatisées supplémentaires parce que c'est du trafic en plus, c'est de la régularité et du confort en plus, et puis aménager aussi des pistes cyclables de qualité, sécurisées dans tous les quartiers. Nous, on n'en a pas dans les quartiers populaires. Il y en a rue de Rivoli, c'est très bien pour Madame Hidalgo. C'est très bien pour les gens qui vont au BHV. J'ai rien contre le BHV, mais moi, j'habite dans un quartier populaire. On a droit aussi à avoir ces pistes cyclables sécurisées. Lors du dernier débat, Rachida Dati disait que si on prenait le boulevard Magenta à vélo, on pouvait prendre un ticket pour aller au Père Lachaise, c'est vrai? Elle fait des blagues, Rachida Dati, c'est très bien, mais moi, j'attends pas du maire de Paris qu'on fasse des blagues, j'attends qu'on trouve des solutions. Donc, en effet, il faut, et c'est ce qu'a proposé Cédric Villani, un grand réseau vélopolitain qui double en surface les lignes de métro et qui propose des itinéraires sécurisés. Moi, ma compagne, elle a peur de prendre le vélo. Ma maman, jamais elle ne prendra le vélo dans Paris. Il y a plein de personnes qui sont dans ce cas, qui ont envie de changer leurs habitudes, mais à qui on ne donne pas les moyens de le faire. Et la politique d'Hidalgo, en quoi elle a été inefficace? C'est qu'elle s'est attardée sur l'interdiction, sur la punition et pas assez sur les alternatives. Elle a planté Autolib, elle a planté Vélib. Elle n'a pas permis aux personnes... Il y a quand même 1 million de personnes qui viennent bosser dans Paris tous les jours, qui habitent en couronne. Il faut les aider à se passer de leur voiture. Mais ça se fait avec eux, pas contre eux. Vous voulez être le premier maire écologiste du 20e arrondissement de Paris. Ça passe par tout ça, par les pistes cyclables réaménagées. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ça passe, comme je vous le disais, par un grand plan de rénovation des logements. Ah, quand je rencontre des familles, il y en a qui me disent on paye quoi, 100€, 150€, parfois 200€ pour la facture d'électricité. C'est astronomique. Parce que les logements ne sont pas bien isolés, ont été mal conçus, datent d'avant 45. Donc si vous faites ce grand plan de rénovation des logements, on va doubler les aides de l'État avec l'investissement de la municipalité, on va aider les copro privés, les HLM. Si vous faites ça, vous réconciliez et le pouvoir d'achat, notamment des familles modestes, et la protection du climat. Parce qu'aujourd'hui, le secteur résidentiel, c'est 20% à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Pareil sur les cantines, je vous parlais des circuits courts. Circuits courts, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir, ce n'est pas un truc de bobo. En fait, l'alimentation durable, ça nous permet d'éviter que les aliments viennent de loin, viennent d'Espagne, d'Argentine, parfois de plus loin, et donc d'avoir des produits locaux. Ça réduit aussi très concrètement les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est toute une série de propositions pour réduire la place de la voiture individuelle, pour réduire l'empreinte carbone de nos logements et pour avoir plus de circuits courts dans notre alimentation. Si on fait tout ça, la ville de Paris dans son ensemble tiendra ses engagements de la COP21 et on pourra participer aussi à lutter contre le changement climatique. Mais justement, ça, Paris est la 4e ville d'Europe la plus embouteillée, la plus polluée aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça passe par tout ça? Ce qui est formidable avec la politique d'Hidalgo, c'est qu'elle a à la fois réduit la place de la voiture et augmenté les embouteillages. C'est quand même totalement paradoxal. Tout en disant que la pollution avait diminué. La pollution diminue, mais elle diminue moins que dans d'autres capitales, moins qu'à Londres, moins qu'à Madrid.
Pourquoi elle diminue? Parce que simplement, les voitures, il y a de l'innovation. Et donc, les moteurs diesel des années 70-80 sont en train d'être renouvelés. Et il le faut, absolument. Et on interdira le diesel quand on aura réussi à avoir créé le Grand Paris Express, justement, toutes ces lignes de métro automatisées pour que les gens aient des alternatives. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de fluidifier la circulation. C'est d'arrêter d'avoir des commerçants qui, aujourd'hui, se retrouvent sans place de livraison, pistes cyclables qui sont empruntées par des étudiants ou des salariés et qui, à un moment donné, sont plus continues. Vous arrivez aujourd'hui dans le 20e place Gambetta, la piste cyclable, c'est ridicule, hein, ça fait le tour de la place. Ensuite, vous prenez les rues adjacentes, il n'y a plus de piste. Vous êtes avec les voitures, avec les motos, les scooters, la pollution, le bruit. On ne peut pas réussir la transition écologique comme ça et on ne peut pas non plus fluidifier la circulation comme ça. Donc, les trottoirs, c'est pour les piétons, la route, c'est pour les véhicules et les pistes cyclables, c'est pour les mobilités douces. Si vous organisez l'espace public de cette manière, vous le rendez plus fluide, c'est ce qu'on propose. Je demande souvent à mes invités si l'écologie dans cette campagne, c'est pas devenu un effet de mode. C'est pas une mode, c'est une urgence. Pour moi, c'est très sérieux. Moi, je veux pas que la prochaine génération, je veux pas que nos enfants héritent d'une planète dans laquelle on se demandera comment on va s'adapter à des canicules de 46, 47, 48 degrés tous les ans. Je veux pas qu'on vive dans une société dans laquelle nos aînés, qui sont hélas, dans des EHPAD, dans une situation parfois dramatique, ou qui ont la chance de rester chez eux, se disent, voilà, j'ai plus le sentiment de satiété, est-ce qu'à un moment donné, si je m'hydrate pas, je vais pas avoir des difficultés, tant il fait chaud. Je veux pas qu'on vive dans une société dans laquelle on mange des tomates en hiver, on mange des poires qui viennent d'Argentine dans nos cantines, et on mange de la viande à tous les repas. Il faut changer nos habitudes. Mais pour cela, encore une fois, il faut accompagner la population. Donc au fond, dans cette élection, oui, tout le monde est écolo. La question, c'est pas de savoir si on est écolo ou pas. La question, c'est comment on va changer les choses. Est-ce qu'on va y arriver? Et donc, quelle est la bonne méthode et la bonne efficacité? Et nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un plan d'investissement de 5 milliards d'euros. C'est d'avoir la méthode que je vous décris. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussira la transition écologique. Franchement, il n'y a pas de raison. Des villes comme Strasbourg, des villes comme Montrouge, des villes comme Amsterdam ont développé le vélo, ont développé les circuits courts. On est Paris, la capitale des Français, capitale de l'innovation. On peut y arriver. Mais il faut des élus qui soient à la hauteur. Vous souhaitez recréer dans le 20e arrondissement les commerces de proximité. Ça, c'est une demande des Parisiens du 20e? C'est absolument une demande, non seulement des habitants, mais une demande des commerçants eux-mêmes. Pourquoi? Vous avez aujourd'hui un local commercial sur 8 qui est vacant dans nos quartiers populaires. C'est beaucoup trop. Baladez-vous rue d'Avron, à quelques pas d'ici, vous verrez, vous avez des boucheries, vous avez des boulangeries, et puis plein de locaux qui sont vacants. Vous avez quasiment que des commerces aujourd'hui alimentaires. Il faut de la diversité commerciale. Et il faut lutter contre cette vacance parce que c'est ce qui permettra de redynamiser nos quartiers. Moi, ce que je propose, c'est que la mairie, avec les bailleurs sociaux et avec une société d'économie mixte, réinvestisse dans des locaux vacants, les préempte, les acquiert et qu'ensuite on les reloue. Donc vous allez avoir des commerçants de proximité qui vont se réimplanter. On leur fait un bail progressif. Donc le loyer progresse en fonction du chiffre d'affaires et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils peuvent devenir propriétaires, acquérir le local. Et une fois que c'est fait, nous, on reprend les capitaux et on les réinvestit ailleurs. Ça, c'est une bonne méthode. C'est un cercle vertueux qui permet de remettre du commerce de proximité dans nos quartiers et en même temps de favoriser le développement économique et le développement social. Et ça doit être lié à un grand plan de formation parce qu'on a aujourd'hui 18 000 demandeurs d'emploi dans le 20e qui souvent n'ont aucun accompagnement. Et donc, je veux mettre autour de la table la CAF, Pôle emploi, la région, les représentants de l'État, justement pour former, avoir des financements pour ces 18 000 demandeurs d'emploi et pour que tous les commerces, toute l'activité économique qu'on va recréer dans le 20e bénéficie aussi aux habitants qui aujourd'hui sont demandeurs d'emploi dans le 20e. Et vous voulez aussi qu'il y ait 25 000 logements sociaux en plus? Alors dans tout Paris. Oui, parce qu'aujourd'hui, regardons les faits. La mairie de Paris qui se dit socialiste, qui se dit de gauche, ne respecte toujours pas la loi qui prévoit 25% de logements sociaux. Donc nous respecterons, parce que nous sommes républicains, cette loi, ce qui suppose de produire 25 000 logements sociaux supplémentaires. Dans ces logements, on en réservera 3 000 pour les personnes sans abri. Moi, franchement, en tant que citoyen, en tant qu'habitant, je ne veux plus voir dans nos rues à la fois des rues qui sont sales, qui ont été mal entretenues, à la fois de l'insécurité, mais aussi des personnes qui sont laissées dans le dénuement le plus profond. Je n'en peux plus de voir ça dans nos rues. On est Paris, là encore, la ville la plus riche de France, l'une des plus riches d'Europe. Donc on est capable d'avoir 3000 logements sociaux réservés pour les sans-abri parce que c'est le nombre de personnes qui aujourd'hui dorment à la rue dans Paris. Et puis, au-delà, parce que tout le monde ne va pas vivre dans un logement social, il y a aussi le parc privé. Le scandale dans cette ville, c'est que vous avez à la fois 245 000 personnes qui attendent un logement social et 240 000 logements qui sont vacants, vides, ou alors qui sont des résidences secondaires qui ne sont pas louées,
ou des locations touristiques Airbnb. C'est plus possible. Il faut réguler le marché du logement. Comment on va le faire ? On va jouer sur la fiscalité pour inciter les propriétaires à remettre les résidences secondaires ou les logements vacants sur le marché. On va aussi leur offrir des garanties, parce que vous avez plein de propriétaires qui ont envie de louer, mais qui n'ont plus confiance. Et donc on va leur offrir des garanties de loyer, des garanties d'impayés, des garanties contre les dégradations, pour inciter à remettre sur le marché. Et puis on va lutter contre ce tourisme de masse qui a fait qu'Airbnb a phagocyté certains de nos quartiers, certains de nos immeubles. On mettra une limite à 60 jours de location par an et on renforcera fortement le contrôle sur les fraudeurs, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup trop de résidences secondaires ou de locaux commerciaux qui sont sur Airbnb alors que c'est totalement illégal. Un mot concernant la sécurité, Cédric Villani veut créer une police municipale armée de 4500 agents. D'autres candidats veulent aussi une police municipale armée. Pourquoi est-ce que ça change et... Aujourd'hui il y a un consensus, toutes les villes, prenez Marseille, Lille, Nantes, Grenoble, Lyon, soit de droite ou de gauche, toutes les grandes villes ont une police municipale. Ça paraît, on va dire, une évidence de bon sens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la police nationale, depuis Sarkozy, a renoncé à ses missions de proximité. Elle fait de l'intervention, elle démantèle les réseaux avec la police judiciaire. Ils sont débordés par toute une série de débordements ou de menaces nouvelles, parfois tragiques. Donc il faut prendre acte de ce changement. Madame Hidalgo était contre la police municipale. Maintenant, elle s'y est convertie. On ne va pas faire de polémique. La question aujourd'hui, c'est pourquoi faire ? Quelles sont les missions qu'on veut leur assigner ? Nous, ce qu'on propose, c'est que la police municipale, ce soit une police de quartier, une police de proximité, qui patrouille à pied. Que ce ne soit pas une police qui fasse de l'intervention avec des véhicules comme la police nationale, justement qu'elle soit complémentaire. Et donc, elle verbalisera les incivilités, le harcèlement de rue. Beaucoup de femmes, trop de femmes, de personnes LGBT subissent aujourd'hui le harcèlement de rue quand ils rentrent ou elles rentrent chez elles tard le soir, par exemple. Prévenir les cambriolages, parce que ça, on peut le faire aussi par une présence de proximité. Et donc, faire baisser justement le sentiment et la réalité de l'insécurité dans nos rues. Mais je le dis aussi très clairement, on a besoin d'une police nationale. Et donc, il faut aussi que le gouvernement réinvestisse sur nos commissariats qui ont été démantelés sous la période Sarkozy-Fillon, quand Dati était ministre. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoutez, d'être élu maire du 20e, mais je vais plus loin. Bon, mon objectif, ça peut vous paraître osé de dire ça comme ça. C'est pas d'être élu maire simplement du 20e en 2020. C'est d'être réélu maire du 20e en 2026. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de réussir avec et pour les habitants de ce quartier. C'est mon quartier, c'est mon arrondissement. J'ai grandi ici, j'y vis, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge. Et on va le faire avec tous les habitants de ce quartier. Et que Cédric Villani devienne le futur maire de Paris. Maire de Paris, et on va se battre jusqu'au dernier jour pour cela. Merci beaucoup. Merci Ryan Nézard d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes candidat dans le 20e arrondissement et que vous êtes porte-parole de Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine interview.